Le septième art arabe est en deuil. Shuaikar, la déesse du cinéma égyptien, n'est plus. L'actrice égyptienne, d'origine turque, est décédée à l'âge de 85 ans. Très discrète ces dernières années, elle a été victime de complications de santé. Conduite en urgence à l'hôpital, elle a succombé des suites de l'éclatement de la vésicule biliaire. À son actif, la diva du cinéma égyptien compte un large répertoire de films. Au total, 170 films, pièces théâtrales et séries télévisées. L'actrice n'est plus apparue sur les grands écrans depuis 2010. Son dernier film étant Kallimni Shukran, où elle a joué aux côtés de Rada Abdelrazek sous la direction de Khalid Youssef. Avec son ex-mari Fouad El Mohandes, ils ont formé l'un des couples les plus mythiques sur le grand écran, à la télévision et sur la scène théâtrale en Égypte et dans le monde arabe. Elle laisse derrière elle un grand patrimoine artistique de plus d'un demi-siècle de carrière, tant des rôles légers et comiques que dans un répertoire plus dramatique.